Union pour la République. Unie. Union pour la République. Unie. 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 Oui, le secret, c'est l'union. L'union qui fait notre force. Et vous savez à quel point notre président, notre champion, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à quel point il accorde une importance primordiale à la formation, à la vigilance du militant et surtout à l'engagement, à la loyauté, aux différentes vertus qui nous ont permis jusqu'ici de garder la cohésion au sein du parti, de garder notre dévouement, notre engagement sans faille derrière lui pour qu'à chaque fois que nous sommes sollicités pour aller aux différents suffrages et aux différents rendez-vous, notre parti a toujours eu la tête au niveau de toutes les échéances que nous avons eues. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut se reposer sous ses lauriers? Est-ce que c'est pour ça qu'il faut dormir? Je pense que c'est quand il y a la paix qu'on prépare les armes pour les jours qui peuvent être devant nous. C'est pour ça que cette formation, nous devons prendre cela très au sérieux. Nous sollicitons l'attention de tout un chacun pour que tout ce qui sera dit ici soit gardé précieusement et que dans les jours à venir, nous voyons les fruits de cette formation dans la vie de chacun des militants que nous sommes. La formation que nous avons dispensée tout à l'heure aux militants de base de la préfecture d'Agou est une série de formations que nous avons déjà commencé d'abord au niveau de la région maritime et qui s'est étendue dans le Grand Lomé. Donc la préfecture d'Agou est aujourd'hui notre troisième stade. Vous allez pu vous rendre compte que tous ces cinq modules ont des implications les uns dans les autres. C'est une chaîne bien réfléchie qui devait outiller le militant à pouvoir bien se comporter dans son milieu de vie, à pouvoir mener les actions politiques et à préparer l'électorat pour des prochaines victoires. Donc les cinq modules, tels qu'on les a présentés, permettront quand on va les déployer à chacun de nos militants de pouvoir comprendre d'abord le mécanisme de fonctionnement, de pouvoir comprendre également l'organigramme du parti depuis le sommet jusqu'à la base, ce qui est attendu du militant, son rôle, sa responsabilité et le respect de la hiérarchie, on l'a bien développé, et la discipline du parti, en même temps qu'il lui est demandé d'être vertueux, c'est-à-dire un citoyen qui respecte les lois, qui respecte les normes du parti et qui respecte également tous les autres citoyens. Et en même temps, il nous a été également développé la sécurité et la paix qui sont les gages d'un développement harmonieux. Nous avons des cellules qui réfléchissent. Et vous avez pu constater que les cinq thématiques sont complémentaires. Nous voulons former nos militants pour qu'ils connaissent leur rôle, pour qu'ils sachent exactement ce que c'est. Nous voulons faire connaître à nos populations, à nos militants, qui vont le partager avec les autres, la vision même du président du parti. Et ensuite, leur faire comprendre que quand on se retrouve ensemble pour viser un objectif, on a besoin de la discipline, de se mettre dans les rangs, de travailler de manière cohérente, main dans la main, pour parvenir à la réussite. En sortant d'ici, je dirais que nous sommes en avance sur les autres partis politiques. Et d'ailleurs, nous sommes le seul parti structuré jusqu'aux rameaux les plus reculés. Nous avons nos militants, ce que d'autres partis n'en ont pas. Donc ce que j'ai retenu encore de cette formation aujourd'hui, ils nous ont renforcés et nous allons renforcer notre position sur le terrain. À deux façons résumées, j'ai retenu l'ambition. D'abord, quelle est la vision de notre grand parti? C'est de rassembler toutes les couches de la nation pour un Togo prospère. Nous avons une femme et leader, nous devons rassembler, nous avons une situation qui est là, nous avons une vie.
Alors nous, tout,